Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Vous avez certainement l'habitude de les suivre. Vous connaissez le principe. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous avons un invité, acteur de l'actualité dans le pays, qui lui vient donner son point de vue. L'actualité dans le pays reste dominée par la guerre dans l'Est de la République avec ce tout nouveau rapport des Nations Unies. L'ONU confirme effectivement que l'armée rwandaise est en République démocratique du Congo. Il pointe également un doigt accusateur à l'Ouganda qui a fait une sorte de qui a permis aux forces rwandaises de pouvoir traverser son territoire. Du coup, du côté de la RDC, plusieurs réactions. On en parle. On parle de la gestion de cette crise. On parle également du départ de la MONUSCO. Doit-elle ou lui ou non partir? Restez donc branchés sur nos programmes. On reviendra également sur l'actualité dans le pays, notamment des questions liées à l'état des droits de l'homme, avec l'arrestation de Jimmy, et ce matin, très tôt le matin, l'arrestation de Maman Marie. Vous le connaissez certainement par son sobriquet des Mamas Union Salité. On reviendra également sur Moïse Katoumi, son parti politique, avec la dernière déclaration du ministre Mwando Simba. Un invité est avec nous en direct de Kinshasa, un habitué de nos émissions, c'est l'honorable Mike Moukeba Inkosu. Honorable, bonjour. Bonjour, Père Odouard. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue donc à ce nouveau format de l'émission Contre nous soit dit. Vous êtes député provincial élu de Lingala à Kinshasa. Comment se porte la ville provinciale de Kinshasa? Bon, la ville se porte mal. Vous aurez remarqué qu'en 4 années de mandature, rien n'a changé dans la ville. Les routes sont chaotiques, les nuisances sonores, c'est le quotidien de Quinois. Et côté mobilisation de recettes, aucun n'ont pas été réalisés. La ville connaît de nombreux problèmes. Des arriérés, des salaires par-ci par-là, du côté de l'administration, du côté du personnel politique dans le cabinet ministériel, du côté de l'administration, des sources parlent des 18 mois, du côté de personnel politique, c'est autant, peut-être plus. Sans parler de nos assistants parlementaires, à nos députés provinciaux, qui n'ont pas touché leur revenu, leur rémunération depuis une quinzaine de mois. Donc la situation est celle-là et je suis étonné chaque fois que je vois des gens se présenter sur plateau de télé, dans les médias, pour dire que la ville marche très bien. Non, mais c'est la question que j'allais poser justement, honorable Maître Moukeba. Moi, j'ai suivi personnellement M. Godin Poy dire que depuis l'indépendance, la ville de Kinshasa ne s'est jamais autant bien portée qu'aujourd'hui. Elle s'est portée en quoi? Qu'avons-nous réalisé ensemble? En quoi s'est-elle bien portée? Côté infrastructure, tous les chantiers ouverts à ce jour, pas un seul de ces chantiers n'a abouti et a été livré aux Quinois. Elle se porte bien en quoi la... Non, mais il note notamment l'éclairage public. Kinshasa est aujourd'hui éclairé. Il note les routes comme la route Elengesa qui attend plus que son inauguration. On parle des ponts Bongolo, on parle de l'avenue du commerce. Il y a quand même quelques actions qui ont été faites. Vous parlez d'éclairage public, c'est quelques artères. J'ai dit très bien, vous avez l'avenue de la Libération, vous avez les boulevards, et rien de bien gigantesque n'a été fait, les poteaux étaient là, et ce qui manquait c'était peut-être les raccordements. À certains endroits, c'est des ampoules brûlées qui ont été remplacées, mais ce que peut-être les gens ne disent pas, c'est que certains de ces réverbères qui ont été rallumés au jour d'aujourd'hui, ce sont éteints. Quand vous prenez l'avenue de la Libération à partir de la passe logistique, c'est dans le noir profond. Et vous ne pouvez pas parler d'une ville qui avance en mettant en relief quelques lumières qui scintillent par-ci, par-là, alors que 90% de la ville de Kinshasa se trouve dans le noir.
ce n'est pas significatif. Non, mais un voyage de 1000 km commence par un pas, Mike Mokeba. Il ne soyez quand même pas de mauvaise foi comme ça, honorable. Pas un pas. Ça, c'est que les gens ont l'habitude de dire ici dans ce pays, nous avons commencé, ça fait 4 ans. Et nous devons nous poser des questions. Quand il s'agit du développement, nous devons parler en termes d'agrégat. Ce qui est macro et qui concerne le vécu de Quinois. Quand vous parlez électricité, vous dites, nous avons éclairé la ville. Vous l'avez éclairé à quel taux? La ville de Kinshasa est... Et dans le noir, vous arrivez, vous éclairez, dites-nous, vous éclairez à quel taux, à 5%, à 10%, et qu'est-ce qui reste à faire? Vous parlez de la route Elengesa, je veux bien, c'est un chantier ouvert à plus d'époque, ce chantier aujourd'hui, il est encore achevé, il n'a pas encore été livré. Vous parlez du pont, c'est un pont, c'est pas un pont construit, c'est un pont, je pense, à la limite, c'est 10 ou 20 mètres, vous ne pouvez pas encore. Quelques mètres en avant que nous avons fait des choses. C'est plus que ça. Qu'avons-nous fait? Donc, allô? Quelques petits soucis, les liaisons avec... Dans ma ville, je vois ma ville, je ne vois pas. Et ce qui a le plus manqué, c'est que des synergies n'ont pas été développées entre le pouvoir central et les provinces, et notre province. Parce que nous devons combiner des efforts à ces deux niveaux pour qu'enfin le pays avance. J'ai l'impression que dans la compréhension de Félix Tshisekedi, le développement c'est lui, c'est au niveau du pouvoir central, et c'est là qu'on va faire avancer le Congo. C'est dommage qu'on ait ce point. On reviendra sur la question. Allons sur les aspects beaucoup plus généraux, Mike Mokebaye. L'actualité ce matin, c'est le rapport des Nations Unies, mais et comme vous habitez Kinshasa, c'est aussi, entre autres, les arrestations. Ce matin, Maman Marie a été, on parlait d'un enlèvement aux alentours de 4 heures, mais il est clair qu'il se trouve dans les locaux de la police, a été arrêté. Jimmy Kenge a été envoyé hier au parquet général. Je vous ai vu crier que Jimmy est dans les locaux de la mer. Finalement, il est devant, il sera bientôt devant son juge naturel. Vous êtes satisfait de la manière dont les choses se déroulent là, sur le plan des droits de l'homme dans le pays? Non, je commence d'abord par la question de la crise sécuritaire à l'est entre mon pays et le Rwanda et l'Ouganda. Nous l'avons dit à l'époque que le Rwanda ne pouvait pas traverser la frontière congolaise par Bunagana sans de complicité avec l'Ouganda. Parce que Bunagana ne nous lie pas avec le Rwanda, mais nous lie plutôt avec l'Ouganda. Nous l'avons dit à l'époque que ces complicités-là étaient clairement établies. Nous l'avons dit. Et remarquez que depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour où l'ONU, finalement, revient et les dit avec force, remarquez que depuis ce temps-là, Kinshasa n'a pas tiré de conséquences. Les troupes ougandaises sont toujours chez nous. Regardez cette attitude-là. Un pays qui se présente comme notre allié et qui, met dans l'entretemps, entre en intelligence avec un autre pays, je dirais « ennemi », entre guillemets, et nous n'en tirons pas de conséquences. Et pire, après... L'ONU parle d'une passivité, elle ne met pas en cause directement l'Ouganda, elle parle d'une passivité ougandaise qui probablement aurait laissé passer les troupes rwandaises. Hein. Quand vous parlez d'une passivité, c'est une complicité. L'Ouganda a le devoir de protéger ses frontières et de ne pas laisser un autre État les utiliser pour aller en agresser un autre. C'est une complicité claire. Ils sont en intelligence, mais il n'y a pas que ça. Vous avez vu comme Kinshasa a dépêché une délégation à Kampala. Vous avez vu l'accueil que Yoweri Museveni a réservé à nos représentants. Il a humilié la République, il les a reçus en tri. Et devant des médias pour nous faire des leçons. Kinshasa est comme apathique, c'est quand même assez choquant. Apathique, incapable de voir la situation en face et d'y tirer les conséquences. Les Ougandais sont chez nous, ça ne fait pas avancer la situation sécuritaire. En plus, au jour d'aujourd'hui, il est établi que c'est même Ouganda est en complicité avec le Rwanda. Nous n'en tirons pas de conséquences. Tout ce que nous savons, c'est de nous plaindre.
Ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'à ce jour, le gouvernement doit décider d'arrêter cette mutualisation de forces avec l'Ouganda et demander à l'Ouganda de rapatrier ses forces. En ce qui concerne le Rwanda, sa présence sur le sol congolais, rien de bien nouveau, nous le savions depuis, même si il y avait des dénégations de la part du Rwanda. Mais comme je l'ai toujours dit, arrêtons de nous plaindre, consacrons le plus gros de moyens à faire monter notre armée en puissance, c'est de cette façon que nous pouvons être en paix avec le Rwanda. On le dit en français, qui veut la paix, prépare la guerre. Alors, comment voulez-vous que nous avancions quand les conditions ne sont pas les meilleures pour nos militaires, non plus pour nos policiers? Il y a dans ce pays que les politiciens qui sont engraissés, choyés. Je ne sais pas si mes informations sont bonnes, mais en tout cas, des sources au Palais du Peuple, il est dit qu'au jour d'aujourd'hui, le député national, il est à 21 000 dollars le mois. Alors, posez-vous la question, que touche un officier supérieur de rang de colonel dans l'armée congolaise? Que touche un officier du même rang dans la police congolaise? Nous avons ici levé un principe, celui de la réduction du temps de vie des institutions, pour pouvoir faire des économies et essayer de devenir. Allez-y, on vous écoute, honorable. Ouais, essayer de devenir un appui aux autres secteurs. Remarquez que la classe politique s'est montrée très réfractaire, s'est opposée à cette réduction. Et alors, comme si cela ne suffisait pas, quand la guerre éclate finalement, qu'est-ce qu'elle fait cette classe politique, notamment au niveau de l'Assemblée nationale? Non, les gens se cotisent et réunissent 200 000 dollars pour appuyer l'armée. Quel ridicule! Là où nous a demandé de consentir un sacrifice, nous ne le voulons pas. Et puis, voilà, puisque nous prenons les enfants du bon Dieu, le Congolais, comme de canards sauvages, voilà. Nous réunissons 200 000 dollars et Mbosso est même assez fier de l'annoncer publiquement du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Prenons conscience, la question sécuritaire à l'Est demande une montée en puissance de l'armée. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est cet embargo, ou alors la notification, une forme voilée de l'embargo qui nous bloque, qui ne nous permet pas d'équiper suffisamment notre armée. Mais pour arriver à obtenir la levée de cet embargo, il y a une démarche qui est fondamentale. C'est celle d'assurer le fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des armes. C'est celle de garantir la circulation des armes chez nous, de montrer à la communauté internationale que nous avons ici les moyens de contrôler nos armes, que demain on ne peut pas retrouver les mêmes armes entre des mains incontrôlées, incontrôlables. Si nous ne le faisons pas, difficile d'espérer aux prochaines discussions à New York, difficile d'espérer la levée de l'embargo. Regardons en ce qui concerne toujours cette question de gestion d'armes. Notre loi, notre législation en la matière, elle est obsolète. Elle date de 1985, il y a encore question du président du mouvement populaire de la Révolution. Nous avons tenté une réforme en 2012 sur cette législation en termes de régime de gestion d'armes et de munitions, gestion d'armes et de munitions. Cette réforme a avancé. La loi a été adoptée et à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais suite à des divergences entre les deux institutions, cette loi n'a jamais été promulguée. Alors, quand la communauté internationale regarde, même sur des questions aussi simples que de légiférer sur le contrôle des armes, nous ne le faisons pas, personne alors ne fait confiance à ce moment-là pour lever l'embargo. Créons la confiance au sein de l'armée. Il est difficile qu'on nous fasse, nous, crédit, quand dans notre propre armée, il y a des désertions de haut gradé des colonels, le cas de colonel Makanika, le cas de colonel Sitamana, qui quittent l'armée pour aller rejoindre des ministres d'autodéfense à caractère ethnique sur le plateau de Minembwe.
Alors, quand ces gens-là partent, ils partent avec armes et bagages. Donc, le monde dit que si on laisse le Congo s'équiper, un jour, ces armes-là vont se retrouver en les mains de groupes armés. Réfléchissons sur cette question de groupes armés, parce que l'insécurité à l'Est ne s'arrête pas au Rwanda et à l'Ouganda. L'insécurité, c'est cette centaine de groupes armés, une dizaine en Ituri, une quarantaine dans le Nord Kivu, une soixantaine dans le Sud Kivu, et une dizaine dans les Tanganyika. C'est cette question-là fondamentale. Ce sont les ADF. Et d'ailleurs, le conflit le plus pernicieux, c'est celui qui nous oppose aux ADF. C'est un ennemi insaisissable qui surgit et qui frappe. Et nous ne pouvons contrer les ADF que si nous renforçons les renseignements. Non mais, Mike, entre-temps, vous parlez d'une sorte de responsabilité de la part de la République démocratique du Congo, mais le président Tshisekedi est là depuis 4 ans, j'entends parler de sa diplomatie agissante, il a notamment lancé l'état de siège, il a ouvert les frontières pour l'armée ougandaise, il est sur tous les fronts, dernièrement c'était l'Angola avec le président rwandais. Comment jugez-vous la gestion de cette épineuse question de la crise sécuritaire dans l'Est de la République par le président Tshisekedi et son gouvernement? L'état de siège a été une solution impréparée. D'ailleurs, comme l'ont dit les hauts responsables militaires lors de l'évaluation devant la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, ça a été impréparé. Au jour d'aujourd'hui, cet état de siège n'existe plus. Le plus grand problème, c'est que Kinshasa est gêné et ne sait pas comment mettre un terme sans avoir de résultats à présenter à l'opinion. La présence ougandaise, cette mutualisation de forces a été comme une fuite en avant pour en fait cacher l'échec de l'état de siège. Donc toute la question au jour d'aujourd'hui, c'est que Félix Tshisekedi réfléchit à comment sortir de cet état de siège. Quand tu parles de la diplomatie agissante, la question la plus sensible, celle qui affaiblit le Congo aujourd'hui, celle qui emporte chaque mois, chaque jour des dizaines de vies, c'est la sécurité à l'Est. Et la sécurité à l'Est, pour y remédier, il nous faut des capacités militaires renforcées. Capacité militaire renforcée, ça signifie obtenir la levée d'embargo. S'il y avait une diplomatie agissante au jour d'aujourd'hui, 4 ans après, nous devions déjà être au-delà de cette question de notification. Donc, nous n'avons pas pu remarquer que la dernière fois, il y a même quelques-uns de pays du Conseil de sécurité, le Brésil, la Chine et les autres, qui ont voté en notre faveur. Mais quelle diplomatie avons-nous menée envers les pays qui n'ont pas voté pour nous ? Leur présenter les progrès que nous réalisons sur terrain en termes de contrôle des armes et convaincre pour qu'au mois de juillet prochain, nous obtenions la levée de cette... Ça veut dire quoi, en clair, que pour vous, en 4 ans, le régime Tshisekedi n'a rien fait pour résoudre cette question-là? Non, nous n'avons rien fait, sauf de confession de foi, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. La délégation qui a fait le déplacement de New York, elle était composée de 15 membres, et au finish, il n'y en a eu que 2 qui ont fait le déplacement, et avec leurs propres moyens. C'est très très grave ça. Ils se sont retrouvés face à une délégation rwandaise constituée de 30 membres. Et il fallait donc aller très vite, comme dans une sorte de think tank, réfléchir pour trouver la réplique dans le débat. Nous, on n'avait pas cette capacité-là. Sur place à New York, chaque État organise, ce sont des pratiques diplomatiques connues là-bas, ce qu'ils appellent les side events. Donc, au-delà de ce qui est officiel, vous organisez des conférences en parallèle, vous invitez les pays qui ont un mot, qui peuvent décider, vous les invitez et vous persuadez ces pays-là. Nos représentants, à commencer par notre propre représentant à New York, n'a pas le moyen d'organiser les petits side events sur place à New York. C'est 10 000, c'est 20 000 dollars. C'est pas terrible pour organiser ça. Ils vont être là. Nous ne les organisons même pas. Donc, il n'y a rien qui est fait d'inconcret pour que nous arrivions à obtenir la levée d'embargo. Nous ne parlerons de diplomatie agissante que si une réponse est trouvée et que notre armée enfin peut s'équiper pour être renforcée en capacité opérationnelle. Honorable Mike Mukwege, l'insécurité dans l'Est de la République ces derniers jours, c'est également la question du départ ou non de la MONUSCO avec les manifestations et les morts. On parle de plus de 20 morts après les manifestations contre la MONUSCO. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est important que la MONUSCO parte ou vous êtes de ceux qui estiment que la mission des Nations Unies en RDC a encore un rôle à jouer dans le pays? Je commence par dire ceci. Nous devons comprendre comment le monde fonctionne. Les missions onisiennes de maintien de paix ou d'interposition partout au monde ne sont pas des missions
philosophiquement d'engagement actif sur le terrain. Retenez une chose, que les troupes qui constituent le casque bleu des Nations Unies ne sont pas des troupes onusiennes, ce sont des contingents des États membres. Donc, nous ne pouvons pas penser que les Uruguayens ou les Ukrainiens qui sont dans le casque bleu présent au Congo vont mourir pour nous. Non, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais il y a une façon, qui peut pas mourir pour nous, honorable Mike Mukebaye? Ça sert à quoi? Je vous parle d'abord d'une réalité hein, qui n'existe dans aucun texte qu'il faut appréhender pour savoir ce que c'est ces missions aux Nations Unies. Si aujourd'hui les Sud-Africains présents dans le casque bleu au Congo meurent en grand nombre sur un théâtre donné, vous croyez que l'opinion sud-africaine ne s'en émouvra pas pour dire écoutez, rapatriez nos enfants à la maison? Donc c'est ce que nous devons nous dire. Ça c'est d'abord de un. De deux, cette force, elle arrive dans un pays avant tout comme une force tampon. Une vingtaine d'années depuis que le casque bleu sont ici, qu'avons-nous fait, nous, pour construire, pour faire monter l'armée congolaise en puissance? Quasiment rien. Où est la petite caserne que nous avons construit ces dernières années? Et où les conditions des militaires, des policiers, nous les avons améliorées où et quand? C'est avant tout une force tampon. Donc, au jour d'aujourd'hui, je considère que l'hostilité contre les casques bleus, elle est faite d'un ras-le-bol des populations suite à l'insécurité qu'elle vit à l'est du pays. Mais comment cette même population ne peut pas s'en prendre avec autant de violence aux institutions de la République, des craintes peut-être la répression soit terrible, alors elle se défoule à travers la MONUSCO. Et ceux qui sont en responsabilité, ceux qui sont au pouvoir, laissent faire que la population trouve un défouloir qui est la MONUSCO. En fait, c'est un ras-le-bol contre le pouvoir qui est incapable de sécuriser cette population. Quand la MONUSCO partira, ce malaise deviendra encore plus grand. Et peut-être que le jour où il trouvera un autre territoire, ça va exploser entre ces populations et pouvoir. Donc, soyons prudents, c'est un ras-le-bol qui ne concerne pas la MONUSCO, mais qui ne fait comme trouver un défouloir à travers la MONUSCO, la véritable cible étant le pouvoir de Kinshasa lui-même. Maintenant, la question de fond, la MONUSCO va partir, oui, mais après, peut-être que quand elle partira, nous perdrons une partie de la logistique qu'elle nous apporte. Vous savez qu'une fois à Ouvira, c'est grâce aux hélicos de la MONUSCO que nous avons repoussé des attaques. Une partie de la logistique, mais même peut-être même pour les élections, et même pour le déplacement de beaucoup d'officiels ici, ce sont les aéronefs de la MONUSCO qui sont utilisés. Moi, je suis bien d'accord qu'elles partent, mais après, qu'avons-nous prévu? Et après, c'est la grande question. Donc moi, j'ai dit MONUSCO, pas ou pas MONUSCO, la question est de notre responsabilité. C'est cela, le fond. Donc, le problème, ce n'est pas de trouver un bouc émissaire qui s'appelle MONUSCO. Vous dites que le départ de la MONUSCO, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est nous et que les Congolais doivent plutôt manifester contre leurs autorités et non pas contre les casques bleus. Moi, je n'appelle pas le Congolais à manifester contre leur gouvernement, mais je crains que cela n'arrive avec beaucoup plus de gravité le jour où la MONUSCO ne sera plus présente, parce que là, il n'y aura plus de prétexte. Là, c'est le gouvernement qui sera lui-même ciblé. Donc, je les préviens, ce gouvernement-là, j'ai dit, monsieur, faites attention, c'est ras-le-bol, c'est vous la cible, c'est pas la MONUSCO. La MONUSCO n'est qu'un exutoire. Demain, c'est vous qui ferez l'objet de ces attaques de la part de ces populations-là. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit, notre invité du jour, c'est donc l'honorable Mike Mukebaye Nkosu, qui est en direct avec nous depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité en RDC. Mike Mukebaye, l'actualité, c'est aussi ces problèmes d'état des droits et des droits de l'homme. Jean-Marc Kaboud, Jimmy Kitenge. Avant d'entrer en profondeur sur la question de Jean-Marc Kaboud, qui devient pratiquement votre ami, et tout le monde se pose la question si vous êtes kaboudiste aujourd'hui, on a arrêté Madame Marie aujourd'hui à 4h du matin à Kinshasa, Mike Mukebaye. Vous avez reçu l'information. Votre réaction à chaud? Oui, je me sens terrifié. Depuis un certain temps, nous assistons à une dérive totalitariste
La question que je me pose, est-ce que Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui à la tête du pays, c'est le même que j'ai connu, comme tous les autres avec qui nous avons cheminé ensemble et pris des risques pour que nous arrivions à l'instauration d'un État démocratique. Et je crois que vous avez vu la vidéo de Félix alors à l'époque, au début de son mandat, où il disait qu'il n'était plus question de cachot dans les locaux des services de renseignement. Et là, nous nous réveillons un matin, Jimmy Kitenge est cueilli au pied d'une rédaction comme un malfrat et détenu durant de longs jours, plus d'une dizaine de jours, dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement. Je me demande si c'est vraiment ça. Il a été envoyé quand même au parquet, hein, depuis hier soir. Oui, alors vous dites quand même, alors donc c'est cela l'état de droit façon Félix, nous commençons par violer et par la suite nous revenons à la procédure. Non mais ce qu'on lui répond sur Mike Mukema étant quand même grave, non? Il a fait des allégations du genre à mettre le feu dans le pays quand il dit qu'il y a un projet d'attentat contre l'ancienne première dame. Ça c'est des informations que beaucoup estiment qui peuvent avoir des conséquences sur la sûreté de l'État. Moi, je crois que c'est des opinions qui ont été émises à travers un média. Il s'agit donc de questions de droit commun. Je ne vois pas pourquoi l'ANR avait à s'impliquer. Mais quand vous dites qu'il a fait des révélations très graves qui touchent à la sûreté de l'État, il y a par ailleurs quelqu'un d'autre ici, un certain président d'un parlement debout, qui lui a lancé un appel au meurtre. Il a demandé aux gens d'aller chercher des gens au long nez. Et cet appel a même connu un écho, puisque le 24 heures ou 48 heures plus tard, de jeunes gens sont descendus dans la rue à Bandolunga devant l'immeuble Yesu Njibu, machette à la main, à la recherche des gens au long nez. Celui-là, il a été mis à l'ombre le temps que l'affaire s'étasse, mis à l'ombre à Makala, et cette même semaine, il a été relaxé. Sans aucune procédure à son encontre. Vous parlez de Jules Mouniré. J'ai pas le temps de citer son nom, mais la pauvre femme ici, qui est connue, Union Salité, qui s'adresse souvent à Mbosso, et celle-là, vous allez la prendre à 4h du matin, quelle menace elle représente? Quelle menace celle-là elle représente? Cette pauvre maman, et vous avez vu son âge? À 4h du matin, vous allez la prendre. C'est quand même très grave. Et cette dérive, en fait, appelle tous les démocrates à se serrer le coude et à se dresser. Mais vous parlez de la maman Union Salité. On dit quand même qu'il a tenu des procès aujourd'hui contre la première dame quand elle dit que Denise Joaquim ou Kagame Obama lui a qui si. C'est quand même des propos assez graves. Et vous dites que je suis devenu. Ouais, je suis très fier hein, quand les gens pensent que je suis devenu. Allô, honorable. Oui. Avant d'aller vers Kabil, je voulais quand même que vous réagissiez par rapport à ce qu'on reproche à la même Union Salité. On dit quand même que ses propos ont été assez durs contre la première dame, dont qu'elle accuse d'avoir fétiché contre son mari, Akalaï Makissi, tout ça. Le problème, c'est bien d'être contre les arrestations, mais vous oubliez aussi un autre volet, c'est celui de sensibiliser des gens qui sont arrêtés à faire attention à ce qu'ils disent. Alors là aussi, c'est une question de sécurité pour aller la prendre à 4h du matin? C'est aussi une question de sécurité pour aller l'accueillir à 4h du matin. L'état de droit, c'est de se soumettre au texte. Il existe des procédures en la matière. Cette pauvre maman-là ne pouvait pas faire l'objet d'un mandat de comparution en bonne et due forme. Ou à la limite, s'il fallait la chercher, ne pourrons pas aller la chercher en plein jour. C'est cela la question. L'état des droits, c'est se soumettre au texte. Vous ne pouvez pas imaginer une procédure en dehors de ce que prévoit le texte. C'est ça le problème. C'est ce que nous partageons avec Félix Tshisekedi et tous les autres qui sont avec lui. C'est ce que nous partageons à l'époque. Disons, ok, ça va. Peut-être que celui-là, effectivement, il y a des préventions à sa charge, peut-être des préventions graves. Mais les conditions de son interpellation sont-elles conformes au texte? C'est aussi simple que ça. Parce que dans un état de droit, nul n'a le pouvoir de déroger au texte. Non mais critiquons les conditions, critiquons aussi les propos, Mike Mukeba. Et le problème, c'est que vous prenez seulement une partie et l'autre, vous les laissez. Elle n'a quand même pas le droit d'insulter la première dame en disant « Kaza Moutaba Kissi, Kakana Moubalina Kissi », tout ça. Ça, c'est des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement vu ça. Tu m'as entendu dire que j'encourageais ou que je partageais ces propos-là? Tu m'as entendu applaudir? Ce qui est indigne, c'est que de tels propos sont tenus et que nous, chacun d'entre nous dit non. Et là, il est allé loin. Mais ceux qui sont au pouvoir
toutes sortes de textes. Et là, ça nous met en difficulté de pouvoir apporter notre solidarité ou notre compassion à la personne qui a été visée par ces propos-là. Parce que là, maintenant, nous mesurons, nous regardons entre l'état des droits dans l'ensemble et un individu qui est visé par des propos, nous faisons le choix de l'état des droits. C'est ça le problème. Aidez-nous à nous montrer notre compassion, notre solidarité quand de tels propos sont proférés. Il faut qu'on nous aide. Et restons tous d'accord sur le principe, ça sera beaucoup plus aisé. Et ça va même faire reculer les gens qui ont tendance à aller à l'excès, parce que ça va créer de notre côté un courant important de ce qui... partage une certaine vision de la société et qui défend de valeur. Mike Moukébaï, vous êtes toujours avec nous. On revient au deuxième volet de ma question. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus katoumbiste, vous êtes un kabouddiste? On se pose énormément de questions sur la promiscuité des relations que vous affichez aujourd'hui avec M. Jean-Marc Kaboud. Je suis cadre de Ensemble pour la République, coordonnateur de l'interfédération de Lukunga. Je continue à assumer mes fonctions avec beaucoup de loyauté et au leader de mon parti et à mon parti. C'est un engagement personnel. J'ai décidé donc de mener mon combat au sein d'Ensemble pour la République et je m'y sens très, 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 très à l'aise. Mais ce qui se pose là, c'est qu'il faut comprendre les niveaux transversaux. Mike Moukeb. Ce combat n'est pas à cliver la vie. Nous, comme par le passé, il y a eu un et avant la Mouka, il y avait bien eu le rassemblement avec Thème Tshisekedi lui-même. Jean-Marc Kaboud a posé un acte fondateur. Lequel? Je crois que c'est un acte qui dessine un tournant et que cela demande l'appui de tous les démocrates, ceux qui croient qu'il faut changer les choses et que nous sommes face à une dérive. C'est quoi cet acte fondateur, des propos injurieux et des insultes qu'il a tenues lors de sa conférence de presse? C'est ce que vous appelez, vous, acte fondateur? C'est ça qui explique mon appui. Comme dois-je évoquer l'apport que j'ai apporté un jour à Jekoko Mulumba pendant qu'il était détenu? J'étais tout le temps avec lui en communication au téléphone, je prenais position pour lui. Dois-je encore rappeler un appui de même nature que j'ai apporté à David Nkeba? Il était détenu à la nerf, et coïncidence, je prenais la défense d'un homme d'affaires gabonais appelé à Gano qui était son co-détenu. Et il y avait possibilité d'entrer en communication téléphonique avec Agano. Et par la même occasion, je parlais avec David Nkeba et je prenais position pour lui. Il s'agit d'un combat autour de valeurs. Le combat que Jean-Marc a enclenché n'est pas son combat à lui, ni à son parti politique. C'est un combat pour le Congo. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux démocrates. C'est ça mon engagement. De quel combat vous parlez, Mike Moukébaï? De quel combat vous parlez? Parce qu'il ressort quand même aujourd'hui que c'est vrai que ça a été une conférence de presse pompeuse, mais où on a vu certaines insultes, des injures. Quand vous dites que c'est un acte fondateur, ce sont ces insultes et ces injures-là que vous considérez, vous, comme un acte fondateur? Honorable Mike Moukébaï, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là et la question m'a échappé. Je posais la question de savoir, vous revenez sur le combat et sur l'acte fondateur de Jean-Marc Kaboud. Moi, je n'en vois pas. Beaucoup parlent plutôt des insultes et des écarts de langage. Ce sont ces insultes et ces écarts que vous considérez comme des actes de actes fondateurs? Alors, honorable Mike Moukébaï. Allô? Oui. Honorable Mike Moukébaï, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je posais la question sur ce que vous considérez comme étant un acte fondateur. Vous revenez sur l'acte fondateur, sur le combat. Le combat, c'est quoi? C'est les insultes et les écarts de langage de Jean-Marc Kaboud lors de sa conférence de presse? Je commence par dire que ce que j'ai fait produit déjà de fruits. Vous avez vu que Franck Diongo a fait des placements en toute
Jean-Marc Aragon pour lui témoigner donc sa solidarité. Il y a un travail qui est en train de faire d'être mené en souterrain, je crois que dans le mois prochain, les gens verront bien que ce que nous faisons a un sens. Alors quand vous me parlez d'insultes, je ne connais pas lesquelles, s'il s'agit des insultes, c'est à vous de les évoquer, de les énumérer. Je ne partagerai pas les insultes et moi je ne les ai pas entendues, à moi. Peut-être que j'ai été distrait à la conférence de presse de Kabonde. Quand il dit que Félix est un incompétent, c'est un jouisseur, ça, ce ne sont pas des propos injurieux pour vous? Moi, je ne pense pas que de traiter quelqu'un d'incompétent est injurieux. Je ne pense pas en démocratie. Je vois, par ailleurs, aux États-Unis, des débats encore beaucoup plus vifs, beaucoup plus rageurs. Je ne pense pas que quand vous allez ouvrir votre dictionnaire, on dira que donc dire d'un individu qu'il est incompétent est injurieux. Peut-être outrageant. Je peux à la limite partager, mais je ne vois pas ce qu'il y a d'injurieux quand on fait ce constat-là. Et puis, il faut restituer ça dans le contexte, comment ça a été dit. C'est tout ça aussi, quand vous déconceptualisez un vocable, une terminologie, ça change tout. C'est aussi ça le problème. Vous-même, personnellement, vous pensez que Tshisekedi est un jouisseur, est un incompétent, comme Kabound l'a dit? Je ne peux pas aller jusqu'à ces mots, mais en tout cas, je suis vraiment désolé de constater ce qui se passe au sommet de l'État, le chef d'État qui descend, qui fait une ronde dans la ville de Kinshasa pour inspecter les chantiers, et qui va terminer à la tournée quelque part chez les Moanakine ou Banakine. Je suis un peu sidéré, je suis vraiment sidéré. Donc vous corroborez un peu la jouissance, l'incompétence et les détournements tels que Kabound l'énonce? Là, mais je vous dis que ce que je vois, la légèreté avec laquelle les affaires de l'État sont conduites m'indigne, me choque profondément. Vous êtes avec Jean-Marc Kabound tout le temps quand il va répondre aux comparutions à la Cour de cassation. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la justice se saisisse de ces dossiers-là et qu'il demande quand même des comptes à Jean-Marc Kabound par rapport à ses propos? S'il vous plaît. Je dis, je vous vois tout le temps avec Jean-Marc Kabound à la Cour de cassation. Quand il va répondre à ses comparutions, est-ce que vous comprenez que la justice du pays se saisisse de cette affaire et qu'il le tire un peu au clair par rapport aux propos tenus par l'homme? Non, mais si la justice le fait de manière indépendante, je comprendrais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour nos juges, mais je remarque que les régimes Union Sacrée ne laissent pas nos juges faire leur travail en toute indépendance. Ils subissent des pressions. Quelle dépression? Quelle dépression? C'est ce que je regrette. Je n'en rougerai pas si la justice décidait d'interpeller tel ou tel autre. Mais qu'il y ait une justice à deux vitesses, ici, il y en a qui sont interpellés, jugés et condamnés. De l'autre côté, il y a des individus qui font pire, mais qui ne sont pas interpellés, à la limite, quand ils sont interpellés, sortent de la prison sans aucune procédure. J'avais une justice la même pour tout le Congolais. Moi, j'encourage, c'est ça l'état de droit. Et d'ailleurs, une parenthèse, je reviens quand nous parlons d'état de droit, et que j'ai condamné l'interpellation de Jimmy Kitenge, donc je reviens à cet état de droit. Mais l'UDPS a fait de l'état de droit juste une proclamation. État de droit, état de droit, état de droit, c'est tout. Mais l'état de droit, c'est un paquet de réformes à accomplir. Vous savez que nos lois, notre code pénal, tout ce qui concerne les libertés individuelles et collectives, tout cela est dépassé. Qu'il nous faut au jour d'aujourd'hui une nouvelle législation. Quelles sont les réformes que l'UDPS a accomplies dans la voie de l'établissement de l'état de droit? Si ce n'est pas des réformes qui ont été accomplies, quelles sont les réformes qu'elle a portées même sur la place publique dans les débats? Aucune réforme. Aucune réforme. C'est un droit, ce n'est pas une proclamation. C'est de mettre en place un système qui assure la promotion de l'état de droit. Je vous prends l'exemple de l'infraction de diffamation ou imputation dommageable qui est codifiée depuis le temps de Mobutu. Comme quoi, que vous avez tenu des propos à l'encontre de quelqu'un, ce qui est dit est vrai ou faux, mais si cela estime qu'il est lésé, il vous poursuit et vous êtes condamné. Ça s'est vraiment dépassé par rapport à un État démocratique. Avez-vous vu une réflexion du côté de l'UDPS de l'Union Sacrée sur une réforme amenée dans ce sens-là, apportée dans ce sens-là? Avez-vous vu? Non. L'État des droits, ici, c'est
de se contenter d'une proclamation, de dire que nous faisons plus. Et puis, ce qui est très regrettable, c'est qu'au lieu de voir les aspirations des Congolais en termes d'état des droits, d'essayer de les matérialiser, non, ils se mettent à se comparer à Kabila. Donc, c'est Kabila l'étalon pour eux. Alors que l'étalon doit être cette aspiration à plus de liberté, vers l'avant, pas à regarder derrière nous. Nous avons un avenir à construire. Donc, c'est un peu ça. Mike, pour boucler un peu le dossier Kabound, permettez-moi de poser la question. En préparant cette émission, j'ai quand même regardé certaines de vos anciennes vidéos. C'est quand même un homme que vous avez présenté comme n'ayant aucun cerveau, qu'il était vide, qu'il était creux. Tu disais de lui à l'Inala que à Pakolaga Choko, rien qu'à le voir, n'a pas Choko, n'a pas Mekako à Pakolaga, au Togo, ça préfère. Est-ce que vous n'êtes pas un versatile, M. Mike Mukebaye? Est-ce que Kabound a-t-il que Pakolaga Choko, pas comme un mouton, faut être sérieux, non? Bon, ok, j'ai bien aimé que tu vous interrogez à haute voix si je ne suis pas versatile. Hier, j'ai été très critique envers Kabound. Il y a aussi cette passe où il est monté à cheval en Bola Lodge. J'ai aussi critiqué cette passe-là. Je ne comprenais pas pourquoi il pouvait prêter le flanc à cette moquerie des kabylistes. J'ai été très, très dur envers lui. J'ai longtemps pensé qu'il ne pouvait pas porter ce combat et je l'ai dit tout. Vous avez dit qu'il n'était pas digne de confiance. Hein. Rien qu'à regarder sa peau à Tchakachouk à Pagola Mekako, ça vous dégoûtait, donc on ne peut pas croire à cet homme. Il n'a rien dans sa tête. J'ai les vidéos avec moi, Mike Mukebaye. Oui, j'ai eu déjà à m'expliquer dans un média ici hier sur cette question. Ce sont mes propos. Quand on me le renvoie à la figure, moi je les assume. Alors ce même Kabound là, un matin il se réveille. Face à cette déliquescence généralisée du pays. Parce que vous savez, le plus grand fléau qui tue ce pays, c'est la corruption, c'est tout le monde de l'ennemi public qui amène tous les autres états. Et il se dresse contre ces fléaux-là. Donc, Mdi Mukebaye, je te contredis par rapport à ce que toi tu as dit hier de moi. Ne dois-je pas lui apporter mon soutien à ce moment-là? Dois-je rester fixiste, figé sur ce que j'ai dit par le passé? Je n'ai rien négocié avec toi. Donc vous avez fait une erreur en les présentant comme un homme qui n'avait rien dans la tête alors. C'est vous qui étiez fautif. Hein. Vous avez dit qu'à Tchak, de Mike Mukebaye. Oui, ok. Mais j'ai vu. Elle a dit précédent Tchak à Tchak. Vous savez ce soir, Zoni Mundu, comme ça, Tom Dimayo. Oui, ça c'est un aspect cosmétique qui est dit dans une discussion quand les gens se fâchent. C'est vous qui l'avez dit, le droit de Mike Mukebaye, c'est vous. Laissez-moi terminer ma réponse. Le fondamental, c'est ce qu'il y a un nom. C'est vrai que quand nous nous fâchons en politique, des fois on va à certaines piques ainsi de suite. Mais c'est pas ça ce qui fait le fond. Mais le fondamental, c'est que vous avez dit qu'il n'avait rien dans la tête, Mike Mukebaye. Vous avez dit ça dans une vidéo que Kabound n'avait rien dans sa tête et qu'il était indigne. Oui, mais les mêmes m'apportent la preuve du contraire. Dans un combat fondamental pour l'avenir du Congo, vous ne voulez pas que j'aie un minimum d'objectivité pour dire « Tiens, celui-là a rebondi et a pris la direction que moi j'avais déjà empruntée avant. » Vous ne voulez pas, vous voulez que je reste là, à cet endroit-là. Non, j'ai dit non. Commencez par présenter des excuses à ce que vous avez eu en erreur. Dites-nous, Congolais, excusez-moi, j'avais dit que Kabound Tchaka Tchoko, avant Maïe l'était, mais si vous voulez l'imbissala par rapport à ce que j'avais dit hier, c'est aussi ça l'élégance, Mike Mukebaye, parce que vous ne pouvez pas présenter quelqu'un comme n'ayant aucun cerveau. Vous avez dit, rien qu'à le voir à Tchaka Tchoko, à Tchaka Mekako, il est indigne, il ne peut pas assumer les grandes fonctions. Vous-même, vous revenez, vous changez, vous ne vous excusez pas. C'est aussi pas manquer d'élégance, monsieur Mukebaye. Attendez. Chaque fois que je commence une réponse, laissez-moi... Allez, je vous laisse terminer. Alors, avant que je réponde à cette question précise que vous venez de me poser, alors maintenant la question que je me pose, que je pose à mes détracteurs, quel est l'idéal démocratique que j'ai trahi? Où est-ce que j'ai touché à l'intérêt du Congolais, des Congolais? Quel est l'idéal démocratique? Ce rapprochement est fondé sur des valeurs claires, négociées au grand jour, proclamées. Quel est l'idéal démocratique? Alors, vous me demandez de présenter des excuses. Mais oui, je suis très à l'aise. Parce que en fait, le rebondissement des Kabound est en soi ce qui conforte ma position et donne à Kabound un nouveau visage. Donc là-dedans, vous trouvez les tout, même les excuses que vous cherchez, elles sont là-dedans. Elles sont là-dedans, dans ce rebondissement formidable. Elles sont là-dedans.
Bon, je comprends que les excuses ne sortiront pas de votre bouche. Bouclez la boucle avec l'affaire Kabound. Vous, j'ai dit de vous qu'on dit que vous êtes versatile. Vous avez travaillé en sourdine pour que Kabound rencontre également Diallo. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres entre des nouveaux opposants? Peter Kazadi dit de Franck Diallo que c'est un malade mental. J'ai lu son tweet avant de monter sur ce plateau. Il a dit que Franck Diallo était un malade mental et que le problème de Diallo, c'est que c'est un chômeur qui a des problèmes d'argent et qui attendait un poste, mais ne l'ayant pas reçu de Félix Tshisekedi, il décide alors de commencer à tirer sur lui. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le genre m'accuse de versatilité, mais elle n'apporte jamais le fait. Je mène un combat depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Je crois que je suis l'un des rares politiques qui est resté loyal envers ses idéaux. Mes idéaux sont les mêmes. Ce sont ces idéaux qui font que je sois avec Katumbi aujourd'hui. Ce sont ces idéaux qui ont expliqué mon activisme accru dans le rang de la Mouka, tout autant que lors de ma réponse, c'était pas ma réponse à moi seul, mon parti, mon chef, la réponse à l'appel de Félix Tshisekedi. Qu'on me dise à quelle étape, à quel moment je marchais sur ces idéaux. Une seule fois qu'on me les dise. Les valeurs que sont le respect des droits de l'homme, la bonne loi, les mêmes pour lesquelles je me suis battu. Vous savez, nous sommes dans un pays où pratiquement il n'y a pas d'idéologie. Nous connaissons une certaine carence d'idéologie ici. Et pour faire la politique, pour ceux qui sont assez corrects et qui veulent avoir une ligne de conduite, c'est sur base des valeurs que nous menons notre conduite. Alors ces valeurs-là, qu'on me dise à quel moment je les ai trahies et avec qui. Il y en a qui les trahissent au grand jour là et ils sont là applaudis. Je les ai trahis quand et qui. Vous dites que j'ai travaillé en sourdine. Si vous avez l'information que j'ai travaillé en sourdine, je n'en rougis pas, mais je ne crois pas avoir travaillé en sourdine. Donc, ça doit être clair. J'ai fait un rapprochement avec Kabound. J'ai toujours été très proche de Franck Diongo. Les gens ont l'habitude de dire que j'ai toujours des relations en dents de scie avec les autres, mais savez-vous que je suis très proche de Franck Diongo depuis plus d'une quinzaine d'années. Et qu'il n'y a jamais eu vraiment de quoi qu'entre nous. Depuis plus d'une quinzaine d'années. Peut-être parce qu'il n'est pas encore en responsabilité, hein, à un niveau très élevé, que les gens en font peut-être très peu de cas. Mais je suis avec lui depuis un certain temps. J'ai été vraiment très heureux de voir qu'il avait fait le déplacement. Je vous ai parlé ici de son humilité. Il a fait le déplacement pour le bien de Congolais, pour le bien général. Ça, c'est à appuyer. C'est un homme de valeur, c'est Franck que j'ai connu. Il y en a très peu qui ont un engagement comme celui de Franck Diongo. Je ne veux pas, moi, ici, parler de Peter Kazadi, dont je ne connais pas l'engagement. J'ai vu Franck Diongo se battre depuis des années. J'ai vu l'abnégation qu'il y a dans cet homme, c'est don de soi, c'est oubli de soi pour le Congo. Et c'est pas, vous savez ce qu'il a vécu sous les... c'est pas le chômage qui l'amène un peu à tourner les Kazakhs contre Félix Tshisekedi. C'est un homme qu'on dit être roulé après la prison. Quand des acteurs posent des problèmes sérieux sur des questions précises, Franck Diongo s'interroge, la taxe RAM, Kabound aussi s'interroge. Peter Kazadi ne rencontre pas cette question-là. Il va sur des considérations de bas étage, attaque, c'est un chômeur, ainsi de suite, à la recherche de l'emploi. Ouais, ça, ce sont des choses d'ordre privé. Ah non, il m'appelait à l'époque pour me dire, est-ce que tu peux pas me faciliter une audience avec le chef? C'est vos trucs à vous privés, rien à voir avec nous, c'est des choses que les gens font en politique. Les gens passent par d'autres pour rencontrer tel ou tel. Nous, on n'en a rien à voir. Nous, on veut qu'on nous rencontre sur les questions qui concernent les Congo. Les questions qui sont posées. Rame, c'était hier. Mais savez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une autre taxe de même nature qui est en train d'être imposée aux opérateurs de télécom? Donc, sur chaque service produit livré par les opérateurs de télécom, la PTC prélèvera un centime. Rien que pour Vodacom, Congo. Rien que pour Vodacom, ça fera entre 5 et 6 millions de dollars le mois, tu t'imagines. Ça, c'est le genre de chiffre que j'obtiens, que j'ai obtenu de l'intérieur de Vodacom. 5 et 6 millions de dollars. Et au jour d'aujourd'hui, les opérateurs résistent, ils ne veulent pas payer, mais ils subissent des pressions. Demain, quand ils vont payer ces taxes-là, et alors, ils vont la répercuter sur le prix de revient. Donc nous allons acheter plus cher nos mégas, plus cher nos unités au jour d'aujourd'hui, au bénéfice d'un groupe d'individus ou aussi des individus. Et on ne nous dit rien sur cette taxe. Donc on a contourné encore, parce que RAM, ça nous frappait, nous,
Ça a amené à une caméra publique. Maintenant, on va frapper les opérateurs. À poser la question à Peter Kazali, il vous brandira les textes qui vous dit, les textes liés à la rémunération de l'ARPTC. C'est quoi cette rémunération de l'ARPTC? Pour quel travail? 5 millions, rien que pour vos d'accord. À quand vous mettez les 3-4 opérateurs, vous êtes à plus de 10 millions le mois, donc vous serez à plus de 100 millions de dollars. Et pas de traçabilité comme ça a été le cas avec RAM. Et que Franck Diongo pose ses problèmes, on les traite de malades mentales. Et celui qui les traite de malades mentales, lui, il est tranquille. Personne ne l'inquiète. Ça viendrait de Moukéba et que c'est, en ce moment-ci, je ne serais plus en train de te parler, de vous parler. Voilà, lui fait traiter un autre de malade mental. Vous voyez un peu combien les mots sont forts. Malade mental. Vous vous rendez compte? Et il est tranquille. Ben, je comprends. Les gens versent dans ces angles d'attaque quand en fait ils n'ont pas d'argument. Je comprends cette faiblesse-là. Et donc moi, je regarde ailleurs, je regarde vers le bien-être du Congo. Est-ce que dans votre conception de la lutte contre le régime de Tshisekedi, est-ce que vous voyez-vous une sorte de regroupement Kabila, Katumbi, Diongo, Kabound, Matata Ponyo? Est-ce que ça vous dérangerait ou vous pensez que, parce que Kabound lui-même dit qu'il ne suffit pas seulement de se rassembler pour se rassembler, est-ce qu'un rassemblement de Kabila, de Katumbi, de Kabound, de Matata, de Diongo passerait bien selon vous, ou vous, on risque de créer une sorte de, voilà, de cocktail un peu nocif pour la République? J'y travaille activement, ça je peux vous l'assurer, j'y travaille, c'est là le même sens de ma démarche vers le président Jean-Marc Kabound. J'y travaille activement, je suis pas le seul à personne. Oui, nous y travaillons activement et aujourd'hui, en tout cas Franck Diongo le dit publiquement, lui aussi il travaille activement. Mais alors là où Jean-Marc Kabound a totalement raison quand il dit « je ne suis pas se rassembler pour se rassembler ». Nous avons commis des erreurs par le passé, quand j'ai dit nous, pas forcément moi, mais nous avons vu les autres se mettre en coalition sans aucun fondement en termes politiques, idéologiques ou à la limite en termes programmatiques. Vous avez d'abord eu une alliance ici, l'alliance Palou-PPRD, 2006, qu'un seul souci, partager le pouvoir. De même, Alliance FCC Cash, un seul souci, partager le pouvoir, tout comme les derniers nés ici, Union Sacrée. Nous ne devons pas tomber dans ces ornières. Alors, il nous faudra au départ avoir une idée commune de la République que nous devons porter une fois aux affaires. Préparer la conquête d'une majorité. Parce que l'erreur que nous faisons tous ici, c'est de nous fixer sur la présidentielle. Et vous avez vu les difficultés que Félix Tshisekedi a connues tout en étant président. Il n'a pas pu gouverner parce qu'il n'avait pas de majorité. Commençons par préparer une majorité autour d'un programme, autour de valeurs. Nous nous mettons d'accord et ensuite nous allons à cette coalition. Plutôt que de nous retrouver et dire, toi tu prends tel poste, toi tu prends un tel poste, un tel autre poste. Après sa conférence de presse, j'ai vu Kabound en privé pendant de longues heures, nous avons échangé, je lui ai dit que je partageais fondamentalement cette approche-là, et surtout qu'il y avait ces erreurs du passé qui devaient nous guider à bien orienter l'avenir. Donc, nous y allons, mais il faut y aller méthodiquement. Méthodiquement, même avec Kabila, votre ancienne bête noire, hein, aujourd'hui vous les sanctifiez, vous dites même que, j'ai suivi Franck de vous dire que Kabila était mieux que Tshisekedi, Mike Moukeba, c'est quand même grave ça, non? Je dirais pas autant, mais la situation du moment nous amène à ces coalitions. J'avais dit, hein, parce que les gens ne prêtent pas beaucoup attention à cette chose que j'ai dit, que nous disons, il y a plusieurs mois j'avais dit l'attitude de Fitch, c'est qu'il va conduire le Congo, va conduire la classe politique à des alliances inattendues. Nous sommes à des alliances inattendues pour le besoin de la cause, parce qu'il faut sauver le pays, vous voulez que nous fassions quoi? Et là, vous dites que Kabila, vous dites qu'il est mieux que Tshisekedi, quoi. Vous le regrettez aujourd'hui, Kabila? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, mais je pose la question, Maïs Moukebaï. Je pose la question. Kabila Tshisekedi, ce n'est pas la première fois que j'ai... Laissez-moi terminer ce que je disais. C'est qu'on dit en Liga, « Babo Makanyoka Nanzeto Ranangwa Maboko ». Nous avons un beau collègue, il y a les Kabila, il y a les Katumbi, il y a les Traoré. Nous, quand nous sommes d'accord, c'est une image. Moi, je ne peux pas le prendre, c'est une métaphore. Okay. Alors, donc, c'est cela, ok? Alors que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais présentent une autre approche. Parce qu'il s'agit d'un rapport de force à créer. Il s'agit d'un rapport de force à créer.
C'est cela, ce qui est en eux. Alors, vous me dites, vous me posez la question à moi de regretter Kabila. Mais du donc, pas du tout. C'est comme si vous me disiez, moi, Mike, qu'est-ce que vous n'êtes pas atteint par le syndrome de Stockholm, de commencer à déifier mon bro. Ce que Kabila a fait par le passé est condamnable. Mais le problème, c'est lequel? C'est quand un peuple n'a pas de perspective, qu'on ne l'ouvre pas un avenir à Dieu, il est tenté de regarder derrière et de ruminer la nostalgie du passé, d'aller chercher les quelques petits moments du bonheur par le passé, de dire oh, nous étions quand même bien. Non! Ce n'est pas une sympathie. C'est justement, c'est simplement de la nostalgie parce que le peuple ne sait pas où regarder dès l'avant. Il n'y a rien. Alors là, il ne faut que regarder. C'est un peu Moïse qui sort les Israélites de quoi de l'Égypte. Et puis à un moment donné, les doutes s'installent. Il n'y a pas de perspective. On dit, nous étions bien en Égypte. Non, ce qui a été fait par le passé est condamnable. Et vous savez que j'ai toujours eu une approche très difficile à faire passer, parce que jusqu'à ce jour, je ne la sens pas partagée par les autres. C'est une approche dans une sorte de mise en place des commissions vérité-réconciliation pour qu'il y ait un pardon mutuel et que nous puissions être à l'aise, cheminer ensemble. Je l'ai toujours défendu, je continue à défendre cette proposition-là d'une sorte de commission vérité-réconciliation à la congolaise. Honorable Mike Mukeba, on va peut-être terminer avec ces deux ou trois questions. D'abord, ensemble pour la République, comment se porte le parti? J'ai vu Mwando Simba réitérer sa loyauté à Katumbi et au parti. Vous devez être le plus heureux quand on sait que beaucoup que vous avez envoyé au gouvernement ne sont plus en odeur de sainteté avec vous. Je cite notamment Christophe Lutundula qui, lui, a clairement dit qu'il soutiendrait Félix Tshisekedi et qu'il n'est là que par la volonté de Tshisekedi. Je parle de Mwando Simba, plutôt de Moïse Nzangi, qui lui aussi a tourné le dos et a même créé son parti politique. On avait l'impression que tout s'était déjà parti, mais entendre Mwando réitérer la loyauté au parti et à son président, vous devez être l'homme le plus heureux. Bon oui, je salue, je tire mon chapeau, je dis chapeau bas, c'est un homme que je connais très bien, je l'ai beaucoup fréquenté avant qu'il ne devienne un ministre, il y a un cadre dans mon parti que j'ai beaucoup fréquenté, c'est bien lui, je suis très fier de lui, c'est un homme loyal et là il l'a confirmé. Et donc pour ceux qui sont partis libres à eux, ils avaient décidé de partir, ils sont partis, j'ai dit même bon vent, moi je suis fier de celui-là qui a témoigné, qui a donné l'exemple de loyauté. C'est pas la loyauté envers un individu, c'est la loyauté envers des idéaux. C'est quand même gênant hein, dans cette classe politique où on peut aller d'une position à une autre sans se gêner. C'est ça la versatilité, pour m'accuser moi d'être versatile, vous avez déjà vu aller d'une position à ici pour un intérêt quelconque? Non. Alors, ils sont partis, le parti de notre côté, notre parti politique se porte bien, nous nous battons. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire du parti, jeune parti. Nous sommes en train d'implanter un parti, c'est pas très très facile dans un Congo, dans un espace politique très très concurrentiel, mais les partis se portent très bien. Kinshasa, nous avançons, chez moi dans la juridiction de Lukunga, nous avançons, donc les partis se portent bien. Mais parlons du parti et de son président, la plupart des Congolais sont quand même étonnés du silence de Moïse Katumbi. Aucune condamnation contre le Rwanda. Est-il en alliance secrète avec le Rwanda comme Félix par exemple? Son silence et le silence de votre parti quant à condamner clairement l'agression rwandaise contre le Congo est un plus d'un quand même, Mike Mukeba. Non, ne dites pas d'un silence. Katumbi n'a rien dit jusque-là. Moïse Katumbi n'a rien dit jusque-là. Aucun tweet, aucun message, aucune déclaration. S'il vous plaît, il y a quelques semaines, les partis avaient pris position sur cette question. Et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que les partis avaient même fait des propositions. Donc nous avons ouvert une perspective pour une cohabitation apaisée avec nos voisins de l'Est. S'il n'a pas parlé au jour d'aujourd'hui, qui vous dit pas qu'il parlera demain? Parce que c'est lui qui apprécie le moment, les circonstances dans lesquelles il parle. Ah ben ça dure quand même, non? Ça dure, non? Ça dure, on l'accuse un peu de tout, hein? Mais dans l'entretemps, vous ne savez pas ce qu'il fait activement sur le plan diplomatique. Vous croyez que ce poste auquel il a accédé comme vice-président de l'international libéral, vous croyez que ce poste, il y a accédé juste pour sa fierté, pour que le monde voit que Katumbi est là?
ça leur a ouvert beaucoup de portes. Au jour d'aujourd'hui, ils travaillent à la résolution de cette question de manière très, très active. Mais étant donné qu'il n'est pas un officiel, moi, je n'ai pas le droit de vous dire ici qu'est-ce qu'il fait. Puis sinon, on parlera d'immigration, ainsi de suite. Et déjà, quand j'évoque cette question, va nous attirer des attaques demain. Mais je l'ai déjà évoqué et j'ai assumé. Donc, il y a un travail qui est fait. Un travail diplomatique assez efficace qui portera le fruit du moment venu. De toutes les façons, avec l'accession de Katumbi, à peine 2 ans d'exil du parti, donc l'accession à la tête de à la vice-présidence de l'International libérale, il a fait comprendre aux Congolais, monsieur, demain, moi je vais inscrire le Congo à l'agenda international et donc régler la question à l'est de la cohabitation avec le Rwanda et l'Ouganda. Allez, ça, c'est le message clair. On va finir, Mike Moukeba Nkoso. Vous êtes député provincial. Vous avez assisté récemment avec le président de la République à ces colloques sur les 145 territoires qu'on vante comme étant un bon programme. Est-ce que vous pensez que c'est encore faisable de réaliser ce programme des 145 territoires? Et quel est le bilan, en gros, que vous faites des 4 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir? On finira par là. Mais vous me posez la question de savoir s'il est encore faisable, mais les artisans de ce programme 145 territoires, eux-mêmes n'en parlent plus. Ça a été annoncé avec grande pompe, tapage, on disait que c'était les grands les projets qui allaient décider du bilan. Nous sommes au mois d'août. Rien n'a commencé. Au mois d'août, nous étions, il y a quelques mois, au Palais du Peuple. Les députés provinciaux de l'Assemblée de la République ont été invités au Palais du Peuple dans un colloque, prétendument pour l'imprégnation au programme des 57 États. Des fonds publics ont été dépensés en termes de millions de dollars pour l'hébergement, pour la collation, ainsi de suite, pour rien à la fin. Pour rien, pour Bernique à la fin. Et lors de ces colloques, on nous dira, ces projets démarrera au mois de juillet. Ces programmes des 145 territoires. Nous sommes au mois d'août, il n'a jamais commencé. Le coût de ce programme est estimé à 1,650 milliards de dollars par an. 1 milliard pour l'année 2022, ça c'est ce que disent des sources officielles. 1 milliard pour 2022, 650 milliards de dollars pour 2023. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'origine des fonds. Une certitude pèse autour de différents bailleurs. C'est une des certitudes sérieuses. Premier bailleur, le gouvernement de la République lui-même, qui a apporté entre 250 et 300 millions de dollars, pas toujours mobilisés. Deuxième bailleur, incertain, les FMI, les droits des tirages spéciaux. Et donc, comment vous pouvez monter un projet et espérer le financer avec des droits des tirages spéciaux? Parce qu'il y a beaucoup d'aléas autour de ces droits des tirages spéciaux. Les montants dépendent du FMI. Et avec la crise mondiale que nous connaissons suite à la guerre en Ukraine, ainsi de suite, comment vous pouvez compter sur les FMI? Et encore que quand les FMI libèrent ces fonds, vous n'avez pas que les projets 145 territoires. Vous avez aussi d'autres priorités. Donc, 500 millions étaient attendus du FMI qui ne sont toujours pas venus. Et puis, dernier basket fund, c'est celui-là le plus incertain, les bailleurs. Comme ça, non spécifié, non identifié, les bailleurs, entre 250 et 300 millions de dollars. Les bailleurs, je ne sais lesquels, des négociations n'ont jamais commencé avec ces bailleurs, rien n'a été conclu. Donc on finit, pas un rond n'est tombé dans l'escarcelle. Et on ne sait pas démarrer un projet pour lequel, en amont, beaucoup d'argent a été dépensé en termes de publicité, en termes de réunions de députés provinciaux. 1 million, 2 millions, je ne sais combien. Et le projet en soi lui-même ne démarre toujours pas. Et aujourd'hui, les chefs de l'État et sa chancelière, qui est plus lancé dans un calcul électoraliste, plutôt que de nous amener un projet qui porte le Congo dans son ensemble, comme le fameux programme 55 territoires, non, qu'est-ce qu'on voit? On le voit descendre à Kanluka pour promettre l'eau et l'électricité, un quartier de la commune d'Engadema. Et je veux bien que mes compatriotes de Kanluka aient aussi la lumière et l'eau. Mais plutôt qu'on envisage ça pour l'ensemble du Congo dans un programme global, non, dans un calcul électoraliste, on commence à descendre soi-même sur terrain pour aller promettre. Oui, il y aura du courant à Kanluka, peut-être demain, j'applaudis, mais qu'est-ce que ça va résoudre? Ce courant-là, il ne sera jamais permanent. C'est comme le courant que j'ai chez moi, que tous nous avons dans la ville de Kinshasa. Il y a un problème de poids démographique de la population de la ville qui s'est étendue et la quantité de courant
complimenter Kaluka depuis le début du mandat. Pourquoi n'a-t-on pas pensé à la ligne de distribution qui partirait des Zongo avec la nouvelle quantité de courant que Kabila a produit, mais qui reste sur place? Pourquoi n'a-t-on pas pensé depuis à dresser des pylônes qui quitteraient Zongo pour amener ce courant à Kinshasa? Ça réglerait le problème. On n'y a pas pensé. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de construire un port à nos profondes. Là encore, opacité, Diongo l'a dit, pas d'appel d'offres, la partie congolaise détient 30%, mais la société qui va gérer les 30% est encore à craigner, ainsi de suite, tout un flot, tout un port. Mais sur le plan du développement, le port à notre profonde, ça c'est un projet qui doit participer à une multimodalité de transport. Donc là où il y a le port à notre profonde, il doit avoir un chemin de fer, il doit avoir une route et pas laquelle. Pas la petite chaussée à deux voies ici de Matadi. Une route à la limite à quatre fois deux bandes. Parce que les marchandises vont arriver en grande quantité, après il faut les évacuer. Alors le port en eau profonde est imaginé, mais le reste là ne vient pas encore. Ça signifie que nous allons inaugurer ce port en eau profonde, je ne sais dans combien d'années. Nous l'inaugurons, mais finalement les navires ne vont pas accoster. Parce que trop de marchandises sur place sans capacité d'évacuation. Voilà. Il faut commencer à réfléchir à la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi, à rallonger cette voie jusqu'à Mwanda, jusqu'à à la destination au port à nos profondes, envisager à la limite un nouveau traçage de 4 bandes x 2, sinon il y a une construction et développement. Mais ce n'est pas fait. C'est dommage, ce régime a lamentablement échoué aujourd'hui. Sur le temps de descendre à Kinshasa, là c'est pour donner le change, pour donner le change, on peut faire tomber à l'œil au Congolais. Il n'y a rien qui est fait, concret, en termes d'agrégat. Ce n'est pas des choses isolées. Allô? On vous écoute honorablement, Mike Kikebayo. On va terminer. Vous disiez que l'échec est là, il n'est pas tard, donc les Congolais sont organisés de faire partie de ce qui est dit lors des prochaines élections. Nous applaudissons la gratuité, encore que ce n'est pas une création, une disposition constitutionnelle, au moins, et Tshisekedi dit, a eu le courage de la mettre en pratique. Mais les effets pervers que la gratuité a produit, de certains traités, surpopulation dans le classe, une classe avec 80, donc plus d'élèves en classe, mais davantage d'abrutis pour le Congo de demain. Qu'est-ce que nous avons résolu? Ok. Alors, maintenant là, ils viennent avec des chiffres, ils disent qu'ils ont construit des écoles, nous étions à 41 000 écoles, nous sommes passés à 64. Quand vous grattez, vous vérifiez, non, aucune école n'a été construite. En fait, c'est des écoles pas viables privées qui ont été aurait. En coordination religieuse, pas d'école créée. C'est des écoles étatisées. Elles ne sont pas à 23 000 d'ailleurs. Donc, vous voyez, les gens commencent à maquiller les chiffres parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Dans quel secteur ont-ils fait avancer le Congo? Oui, vous avez augmenté le salaire de tel enseignant. Mais quand vous augmentez les salaires et que les mêmes enseignants qui passent de 100 000 à 300 000 subissent chaque jour une érosion continue du pouvoir d'achat, que vaut cette augmentation? Nul, zéro. Donc, le sac de farine, comment on l'appelle ici, semoule, qui en 2019 était entre 15 et 18 000 francs, et au jour d'aujourd'hui à 50 000 francs, donc vous comprenez que ce monsieur-là qui nourrit sa famille en un mois avec 4 sacs de farine, n'a qu'à faire de 100 000 francs, de 200 000 francs d'augmentation. Il perd chaque jour son pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, il n'y a pas à les justifier par la Covid. L'augmentation effrénée des prix a commencé avant bien la pandémie du Covid-19. Ce n'est pas l'Ukraine. Et même quand vous voulez dire que, en fait, c'est des effets exogènes qui ont provoqué cette crise. Mais ok, mais est-ce que la proportion est la même entre nous et les Brazzaville à côté? Est-ce que la proportion est la même entre nous et le Rwanda à côté? Ceux qui avaient une économie déjà résiliente ont pu résister dans une certaine mesure. Mais la nôtre, elle est fondée sur la corruption, notre économie, l'enrichissement personnel,
coup, c'est fainéant, l'enrichissement, et les gens nous étalent même de montre au poignet à 200 000 euros. Et quand des remises de critiques tombent, ils s'en gênent pas, les lendemains reviennent avec encore d'autres Rolex au poignet. Ce régime, a lamentablement échoué, Mais donc, le Congo, Merci beaucoup, honorable Mike Mokeba Nkosu, d'avoir été des nôtres. Et bonne journée à partir de Kinshasa, où vous êtes. Merci beaucoup, honorable. C'est à moi de vous remercier, Père Oluwara, de remercier votre pertinence professionnelle, votre position au jour d'aujourd'hui qui aide bien de Congolais à pouvoir s'exprimer quand ils sont étouffés ici sur place. C'est un risque majeur que vous avez pris pour l'avenir. La nation reconnaîtra les siens un jour. Je crois que vous serez parmi eux. Je remercie autant CPL TV. Bon vent à vous et à CPL TV. Merci beaucoup, honorable Mike Mokebaï. Ne souffrez pas, de temps en temps, on va commencer à vous appeler pour des émissions. Ne vous lassez pas des mots. Mesdames, Messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc Mike Mokebaï, député provincial élu dans la circonscription de Lingala à Kinshasa. Avec lui, on est donc largement revenu sur des questions d'actualité politique dans le pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. Retrouvons-nous dans les heures ou dans les jours qui arrivent pour d'autres émissions de cette nature ici. Bonsoir chez vous. La boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.